Eh bien, salut à tous les amis, c'est Francesco Stiley. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances. Moi, pour ma part, de mon côté, ça s'est super bien passé. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 7 sur Diablo 4. Et nous allons continuer notre aventure où on s'en était arrêté la dernière fois. Du coup, j'en ai profité. Je me suis choisi une petite quête. Voilà, on a encore deux quêtes là. Donc on est toujours à l'acte 2 et après nous allons passer bientôt à l'acte numéro 3, niveau 16 en plus. Bon bah c'est très bien, je suis niveau 16 et on est parti les amis. Donc de ce que j'ai pu voir dans cette fameuse quête, on va avoir pas mal de chemin à faire à mon avis. Regardez, voilà. Voilà, on est donc ici et faut parcourir tout ça. Donc déjà je vais aller me téléporter ici, ça va me rapprocher un petit peu, ça nous évitera de cavaler un petit peu moins. Voilà, nickel. Ouais, bon, il y a toujours un petit peu de chemin à se faire, mais bon, c'est toujours moins que voilà. En plus on va passer devant un point de découverte, ouais, un point de relais normalement. Donc c'est plutôt cool. Non, c'est pas ici. On s'en fout. Lui, il commence bien aussi. Voilà, on va suivre ce chemin. On va rencontrer, je pense, des petits mobs, comme d'habitude. Voilà. Ça va pas changer. Alors attends. On peut passer comme ça. Ouais, sinon. Comme. Non, je vais faire comme ça directement. Je ne suis pas prêt. Voilà, comme ça c'est tout droit directement. Faire, hein. Toujours des coups de gagner. Voilà, tac. Toujours sur le bon chemin, ok. Alors, c'est bien, venez à moi. Ça me fait de l'XP. Voilà, un petit point de relais. Yeah. Tac. Ce sera encore plus près. Il me faut plus de temps. Ah, il y a un petit événement. Ouais, non. De toute façon, il y en a un qui est venu. Ok. Voilà. Je ne suis pas prêt. De toute façon, un long chemin comme ça, je m'attendais à en faire. Mais bon. Moi, comme je l'ai dit, c'est pas grave. Ça nous fait gagner de l'XP. C'est toujours ça de gagner. Ouais, on y est dans très peu de temps. Non, pas besoin de contourner, ok.
Je ne suis pas prêt. Allez, courage, on y est. Déjà, je crois qu'on est un peu... Non. Ouais, non, la map est tellement grande. Ouais, non, mais regardez, j'ai rien découvert, quoi, encore. Voilà, ça va être ici. Trouver Donan au fond de... Ok. Il me faut plus de temps. Que la lumière vous bénisse. Si vous avez une requête... Que la lumière vous bénisse. Il me faut plus de temps. Voilà. Je cherche un Horadrim nommé Donan. C'est une vieille connaissance qui m'envoie. À cette heure-ci, je parie qu'il est dans le donjon. Demandez aux gardes à la porte. Ok. Il me faut plus de temps. Il est à l'étage dans la grande salle avec son fils. Faites vite. Père, je devrais être sur le terrain avec les autres chevaliers. Pourquoi tant d'empressement, mon garçon? J'ai retrouvé quelques-uns de mes vieux écrits au Radric. Reste donc les lire avec moi. Je peux en prendre avec moi. Nous avons de la visite. On finira cette conversation plus tard. Vous avez besoin de quelque chose? J'apporte un message de Lorat. Wow. Voilà un nom tout droit sorti d'une autre vie. Tiens donc, le vieillard est-il enfin descendu de sa montagne? Avec un avertissement. Excusez-moi les amis. Un mal ancien rôde. La démon Lilith. Et comment savez-vous cela? Vous avez découvert... quelque chose d'intéressant avec Lorat? C'est peut-être lié à ce que tu as vu, père. Oui. J'allais y venir. Un incident s'est produit sur mon domaine. Mais mieux vaut en discuter sur place. Allez donc voir par vous-même. Je vous rejoindrai... et nous parlerons davantage. Quant à ta demande... va à Brestag, et sois prudent. Reste près des chevaliers de la pénitence. Compris. Ne t'en fais pas. Alors, quête terminée. Enquêter sur les événements du manoir de Bouffetefeu. C'est où ça? Ok. Il me faut plus de temps. Du coup, faut ressortir du... Ouais, ok. Ouais, soit ici, soit là. Bon. Plutôt prendre par là, je pense. Ce sera plus court. Je ne suis pas prêt. Que la lumière vous accompagne. Ça, tu me l'as déjà dit tout à l'heure. N'auriez pas un petit quelque chose pour un vieux soldat? Ah, merci, étranger. Voilà. Tu me parleras à toi plus tard. Je ne suis pas prêt. Attends. Mais, quête... Gâchis de connaissance. Quête annexe, je pense. Je ne suis pas prêt. Nous aussi, ça. B.
Bienvenue au manoir de Bout-de-Feu, voyageur. Je suis ici au sujet de l'incident. Donan m'a autorisé à examiner les environs. Un incident ? C'est tout ce qu'il a dit. Il doit parler de son étude. Quelque chose d'inquiétant s'y est produit. Une autre cinématique, je pense. Et je vous connais, Donan. Vieux et fatigué, vous peinez chaque jour à maintenir l'éclat de votre passé. Qu'est-ce que vous me voulez ? Astaroth. Il est mort. Astaroth ne peut pas mourir. Pas de votre main. Démon, je vous renie. Vous êtes devenu si fragile. Je peux faire de vous le héros que vous étiez. Retournez dans les ténèbres qui vous ont vu naître. Je vous dis de partir. Enfin, c'est vraiment digne d'une série, hein, au niveau des cinématiques, c'est un truc de ouf. Incroyable, quoi. Ici. Il me faut plus de temps. Disons que jamais ils ne s'étaient autant approchés du domaine. Ils ont peut-être été attirés par la présence de Lilith. J'ai eu une vision d'elle dans votre étude.
Comment ça, une vision? Je ne comprends pas comment c'est possible. Mais ce n'est pas la première fois. Vous êtes décidément plein de surprises. Pas étonnant que Lorat s'intéresse à vous. Eh bien, vous comprenez mieux ma situation à présent. La fille de la haine sous mon propre toit. Elle doit être furieuse que je l'ai chassée. Qui sont les autres personnes représentées dans ce tableau sur votre mur? Pourquoi cette question? Lilith semble être partie après les avoir vues. Naphein et Erida. Les druides qui m'ont aidé à terrasser Astaroth. Oui. Oui, je crois que vous tenez quelque chose. Je lui ai résisté. Alors elle compte peut-être les interroger sur le démon à leur tour. Des chevaliers sont postés dans les villages près des druides. Si Lilith est passée, ils l'ont forcément vue. Envahissante, donc... Déjà, faut aller ici. Donc on va aller se mettre la main. Ok. Ce qu'on va faire, on va en profiter, on va découvrir un petit peu la... Il me faut plus de temps. Un petit peu la carte, là, parce qu'il y a des endroits où... Ah bah attends, j'avais pas fait gaffe. Un petit point de relais. Voilà, tac. Ah, un autre relais ici. Bah écoute, on va en profiter. On va retarder un petit peu le temps, les amis, mais au moins on découvre un petit peu des points de relais un peu plus là, parce que j'en ai pas vraiment beaucoup. Hein. Il me faut plus de temps. Il me faut plus de temps. Voilà, nickel. Donc après, on sort et on va à l'objectif principal. Il me faut plus de temps. On va bientôt passer au niveau 17. Encore un petit peu de mum, s'il vous plaît. Oh putain, merde. Oh le con. Il me faut plus de temps. Il me faut plus de temps. Voilà, nickel. C'est cool. Je ne suis pas prêt. Non, c'est bon, on y arrive. Non,
faut plus de temps. Tiens. Un nouveau point de relais encore. Chercher des traces de Lilith. Ok. Détaillissement des bougies. Ce totem central, l'odeur massée. Ok. Non, j'ai pas envie de m'asseoir. Ça va être encore une quête annexe. Je ne forge pas que des fers à cheval. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Les chevaliers de la pénitence croient savoir ce qui se passe ici. Ils croient que leur lumière suffira à y faire face. Eh ben, ils vont être sûrs. Je vais envoyer des tas d'esprits au repos, avec la lumière à mes côtés. Ah, ici, ça c'est quand tu pourras avoir un cheval avec toi. Ok, donc c'est pas pour le moment. Je vais envoyer des tas d'esprits au repos. Le bois pliera comme l'herbe dans le vent lorsque les esprits arriveront. Ah, les barrières physiques seules ne suffiront pas. Et vos talismans et vos gribouillis dans la boue offriront un meilleur repos aux morts. Vous avez choisi le moment idéal pour visiter Brestag, étranger. Les meules chantent et les cœurs s'enflamment. Douce mélodie pour une journée sanglante. C'est Donan qui m'envoie. Au moins, vous n'êtes pas un de ces chevaliers de la pénitence. Au moins, nous protégeons ce village au péril de nos vies. Non, laissez. La brume recouvre les collines. Des esprits déments y émergent. Ils seront bientôt ici. Êtes-vous venu pour nous aider à les repousser ? Je cherche une démon qui est passée par ici. Ah, alors... C'était donc ça. Cette journée est décidément pleine de surprises. La démon a gravi la colline, vers le domaine d'Erida. Mais je vous déconseille de la suivre, sauf si vous voulez rejoindre les esprits. Mieux vaut rester avec nous. Je peux vous mener à Erida. Il en est hors de question. Tout ira bien. Donan fait confiance à ce voyageur, et nous ferons de même. Dites-moi quand vous serez prêt à partir. Prenez garde à ce qui rôde dans le brouillard et revenez vite. Les routes sont recouvertes de brouillard, donc le chemin le plus rapide vers les collines se trouve à l'est, à travers les cairns plaintifs. D'accord. Donc, c'est juste ici, normalement. Ouais, ok, bon, on y va. Il me on faut y va, les temps. Amis. On va jusqu'à la fin de la quête. Il semblait avoir parcouru le monde. J'espère un jour pouvoir en faire. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Mon père, vous avez vu comment il est. Rien que pour pouvoir quitter ce maudit donjon, je dois faire des pieds et des mains. Il me faut plus de temps. Ah, des araignées. Mais longtemps, ça. Alors, trouver l'entrée des cames plantifs avec Yoram. Il me faut plus de temps. Je pense pas que ça va être ici, je pense que ça va être plutôt là-bas. L'entrée des cairns se trouve droit devant nous. Une minute. Pourquoi ce passage est-il bloqué ?
L'entrée est scellée, mais il y a une inscription. On dirait d'anciennes runes druidiques. Le chant du vent, le hurlement de... Oh non, ils arrivent. Faites vite. D'accord. Et allez. Et allez, Tukroani. Tolanoreto. C'est un chant. Le chant ouvrira l'entrée. Que la lumière nous protège. Repoussez-les. Ils sont chiants, eux. Voilà, niveau 17, c'est nickel. Il me faut plus de temps. Voilà. Ça a marché. Quelque chose dérange ces esprits dans leur sommeil. Nous devrions nous dépêcher d'entrer. Alors. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, les amis, hein, mais comme je vous l'ai déjà dit, je suis très concentré. Trouver un chemin à travers les... Il me faut plus de temps. C'est surtout l'absence des dégâts. Il me faut plus de temps. Cette pièce, elle est exactement comme mon père l'avait décrite. Vous n'êtes jamais venu ici ? Erida n'aurait jamais barré la voie des morts ainsi. Les esprits devraient être libres de voyager dans la terre. Lilith. Étrange. La porte est verrouillée par un sceau terrestre. Qu'avait dit mon père à ce sujet déjà ? Des pierres gardiennes, c'est ça. Si vous m'en rapportez depuis les cairns non loin d'ici, je crois que je pourrais ouvrir la voie. Bah écoute, on est parti. Hein. C'est pas prêt. Waouh. Je n'ai pas assez d'énergie. Il me faut plus de temps. Je n'ai plus d'énergie. Putain, ils font mal ces connards là. Excusez-moi les amis. Il me faut plus de temps. Oh. Explose gros porc, t'as bien raison. Après.
Ouais, il y en a déjà une là. Il me faut plus de temps. Je ne suis pas prêt. J'ai récupéré la première pierre. Il me faut plus de temps. Voilà, on va aller récupérer la deuxième. Et voilà. Ah, il n'avait pas une deuxième, d'accord. C'est bon, un début. Bon, allez, on y go. Il me faut plus de temps. Je pensais qu'il y en avait une deuxième à aller chercher. Des inscriptions démoniaques. Lilith est passée par ici. Il y a quelque chose d'écrit sur l'autel. Par la pierre et les racines, par les larmes et la douleur, nous portons cette flamme pour que jamais celle-ci ne meure. Les yeux éteints, souillés par les cendres et les tisons. Maudits sommes-nous qui à jamais nous souvenons. Ah. Une élégie écrite par Erida. C'est en mémoire de celles et ceux qui sont morts en combattant Astaroth. Les faibles meurent. Ouah, je le sens pas. Cendre, oublié. Attendez, nous ne sommes pas vos ennemis. Oh putain. Oh, j'adore cette place. Je le répéterai jamais assez. Lilith, elle doit plier ses héros à sa volonté. Erida ne le permettrait jamais. À moins. Oh non, pas vous, pas vous. Je manque d'énergie. Ah, l'attaque. C'est un peu mieux. On va faire un petit peu plus de dégâts, je pense. Le cairn des anciens. Tant de choses profanées. Leurs tombes sont couvertes de cicatrices démoniaques et des runes druidiques servant à réveiller les morts. Je sais que j'ai aussi un point de compétence, mais je l'ai pas. J'ai pas été voir. Délicate. C'est l'œuvre d'Erida. Pourquoi s'associerait-elle à une démon ? Ça ne serait pas la première à tomber sous le joug de Lilith. Erida avait juré de préserver le repos des morts. Qu'allons-nous faire ? Nous allons devoir l'arrêter. Oui,
Les solutions se trouvent devant nous, pas derrière, comme dirait Père. Bah écoutez, à mon avis, il y a un boss qui nous attend, je pense. Je ne suis pas prêt. On a terminé la quête. Bah écoutez, ce que je vous propose les amis, c'est qu'on s'arrête ici pour cet épisode numéro 7. Voilà, je pense que je vous en sortirai soit un autre dans la journée ou soit demain. Je sais pas trop, je pense que ce sera plus demain les amis. En tout cas, c'était un bon petit épisode sympa, tranquillo, voilà. Tranquille pour le retour. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like, voilà. N'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir, les amis. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et ciao tout le monde. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 8. Ciao tout le monde.